Je m'appelle Jeanne Abdelila, je suis combattante de MMA et championne du monde de grappling. Et non, les métiers n'ont pas de genre. On m'a toujours dit quand j'étais petite fille qu'il y a certaines choses que je ne pouvais pas faire, et notamment les sports de combat. Et à 33 ans, j'ai eu ce déclic, c'était maintenant ou jamais de me lancer dans ce que j'avais toujours voulu faire. L'audace pour moi, ça a été de me lancer et de venir dans ce milieu qui est complètement masculin. Prouver que les femmes peuvent faire autant de choses que les hommes, c'est un acte politique. La personne qui m'a le plus inspirée, c'est mon père. C'est la première personne féministe que j'ai rencontrée dans ma vie, ça a été lui. On est quatre filles et il nous a toujours poussé, en tant que filles issues de l'immigration, d'être autonomes et complètement indépendantes. Des remarques, j'en ai en permanence. On va toujours me faire des remarques sur mon corps, on va toujours hypersexualiser mon corps. Je vais toujours avoir des hommes qui vont m'expliquer comment faire mon métier, des hommes qui vont me dire que je boxe mal. Mais je crois que quand on a un combat à mener, il faut se battre contre tout ça. Mon envie du moment et mon gros projet actuellement, c'est de réussir à démocratiser la pratique du MMA, mais de la démocratiser envers les femmes. C'est pour ça que j'ai créé mon académie, parce que je veux qu'on arrive à comprendre et à sortir un petit peu de ce cliché de sport violent, et qu'on voit le MMA comme moi je le vois, un sport d'empowerment féminin, un sport qui permet le dépassement de soi, et un sport qui va permettre à toutes les femmes qui vont le pratiquer, certes, d'apprendre des mouvements d'autodéfense, mais aussi d'acquérir cette capacité de se dépasser, d'avoir confiance en soi et de ne plus avoir peur. Bah, ma plus belle réussite, c'est d'être sur le podium pendant les championnats du monde et d'entendre la Marseillaise chanter pour moi, parce que j'en ai rêvé toute ma vie. Ne restez pas à votre place. La société, la famille, les amis ont envie que vous soyez à un endroit précis parce qu'ils ont peur pour vous, parce qu'ils voient à travers vous ce qu'eux ne peuvent pas faire. Donc ne restez pas à votre place, empoignez votre rêve à deux mains et allez-y, et vous allez voir que vous allez y arriver.